Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo commentaire où nous allons répondre à la grande légende, à la légende qui circule sur la chaîne, suis-je vraiment bidon ou pas? En attestent ces images, ce gameplay que je vais vous offrir aujourd'hui, nous allons avoir une réponse claire et précise. Lançons tout d'abord ce gameplay. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il faut savoir, je pense, que nous sommes sur la carte Plaza en assassin et que nous sommes donc, vous l'aurez deviné, sur Halo 5 et que nous allons me suivre alors que je suis un protagoniste de l'équipe rouge. Nous allons donc répondre à la grande question que tout le monde se pose et que cette vidéo porte le titre, mais juste avant... Puisqu'on y est, que j'ai du mal à me lancer, autant terminer avec ça. Nous sommes en mode cinéma et vous allez voir que le tir, la visée, tout ça est des fois un petit peu décalé. Je sais pas trop à quoi c'est dû véritablement. Sans doute un problème de connexion, enfin c'est bizarre. On dirait une synchro labiale, mais de visée. De film, bizarre. Bref, voilà, veuillez m'excuser pour ça, qui est véritablement indépendant de ma volonté, et que si j'étais meilleur, ben je brancherais directement le truc, je jouerais, je capturerais, et voilà. Sauf que... mais on va y revenir, on va y revenir. Juste avant aussi, j'ai réglé un petit problème technique de mon côté. On s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose que je dois faire, surtout en ce moment, avant chaque vidéo. C'est-à-dire que là, j'ai dû virer mon chat de la pièce. J'en ai déjà parlé, mon chat, c'est une femelle, s'appelle Kiki. Ne criez pas, s'il vous plaît. Kira. Je l'ai eu comme ça, elle s'appelait Kira. Moi, j'ai trouvé que c'était rigolo parce que ça faisait chat Kira. Du coup, on l'a gardé, on a continué qu'elle s'appelle comme ça, Kira. Mais du coup, comme Kira, c'est un peu long, c'est Kiki. Voilà, c'est Kiki. Et on a installé le sapin avec ma chérie. Et donc, Kiki, elle a tendance à vouloir s'amuser avec les bouboules. Voilà. Donc... pour éviter que ça fasse des gros lots pendant toute la vidéo et que ça m'énerve encore plus, déjà que j'arrive pas à me lancer, si en plus, voilà. Donc je l'ai viré de la pièce, j'ai fermé la porte, voilà. Non, n'appelez pas tout de suite la SPA, elle est pas toute seule dans la rue, dans l'escalier, dans ce que vous voulez, non, non. Non, non, elle est juste derrière la porte. D'ailleurs, juste avant l'enregistrement, elle commençait à gratouiller derrière la porte. Et elle a fini par arrêter, chose qui me plaît, parce que vous l'aurez très certainement entendu. Alors oui, pour commencer à évoquer le sujet principal de la vidéo doucement, oui, j'ai des problèmes pour jouer. Je suppose que j'ai le cerf-volant, sans jeu de mots aucun, parce que... ça fait la cerf-volant, t'as vu dans le ciel, tout ça, avec le vent qui vole. Non, j'ai vraiment le cerf-volant, le cerveau dans la tête du crâne qui est lent. Mais j'ai un autre problème, et je tiens à en parler aujourd'hui, puisqu'on en parle. J'ai des problèmes de manette, c'est-à-dire que vous connaissez donc le principe de la Xbox One qui aujourd'hui a des manettes filaires, non filaires, Wi-Fi, enfin sans fil, voilà, j'ai réussi à le dire. Et mes manettes se déconnectent tout le temps depuis que j'ai déménagé, donc ça veut dire environ 2 ans, 2-3 ans, je sais même plus quand c'est que j'ai déménagé, on s'en fout, c'est pas la question. Alors au début ça passait et puis c'est devenu de plus en plus récurrent. Alors pendant une grande période j'ai pas beaucoup joué, voire pas du tout, donc je l'ai pas trop ressenti. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à rejouer, quand je suis revenu, et je me suis dit, est-ce que c'est l'humidité, parce que c'est très humide chez moi, qui a défoncé la console? Est-ce que c'est le trajet entre mon ancien domicile et le nouveau qui a abîmé quelque chose dans la console? Voilà, donc j'ai acheté des câbles, parce que oui, j'avais un câble de recharge, mais le truc était mort. J'ai acheté des câbles pour brancher mes manettes, et ça l'a fait sur toutes mes manettes, j'en avais 4. D'ailleurs, il y en a une qui a voltigé à travers la maison, elle est en 1000 morceaux, la pauvre petite. Enfin, maintenant, elle est jetée, quoi. Et même avec les câbles, ça se produisait, en fait, ce problème de truc. Alors, pour les personnes à qui ça arrive, parce que j'ai vu sur un forum très, très recommandé, jeuxvideo.com, que ça arrivait à pas mal de personnes et qu'il n'y avait pas de solution. Donc là, je ne dis pas que j'ai trouvé une solution, mais en fait, j'ai débranché la Kinect, et ça l'a beaucoup moins fait, ce problème. En étant filaire, hein, attention, en étant filaire. J'ai également, j'avais acheté un multiprise USB pour pouvoir brancher toutes mes manettes dessus. Je l'ai enlevé et mes manettes, je branche directement ma manette à la console.
Et depuis, j'arrive enfin à rejouer. Donc voilà, pour vous dire que si j'ai un mauvais niveau, c'est qu'aussi ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué dans des conditions, dans de bonnes conditions. Et que j'ai pas aussi que ça à faire de repayer une nouvelle console ou d'envoyer la console en SAV qui va me coûter un bras et demi. Voilà. Enfin, quoique le bras et demi, je suis en train de me le foutre en achetant des câbles. Bref. Voilà, pour les personnes à qui ça arrive, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous aussi ça vous arrive. C'est possible aussi que ce soit des problèmes avec des appareils électroniques, tout ça. Mon mur est très très fin et si ça se trouve, mon voisin d'à côté, enfin c'est une femelle, donc une voisine, a des appareils, peut-être sa box, qui perturbe ma One. Ça me perturbe pas la Xbox 360. Ça perturbe pas la Switch qui est à côté, ça perturbe pas la Wii, ça perturbe vraiment que la One. Donc je ne sais pas du tout à quoi c'est dû véritablement. En attendant, voilà, j'ai pas réessayé sans le câble parce que bah pour l'instant voilà ça marche avec le ça marche câblé. J'ai pas envie de m'énerver. Donc quand je serai plus apte à m'énerver, j'essayerai sans le truc. Mais voilà, Kinect débranché. Multiprise USB retirée pour pouvoir jouer à plusieurs, débranchée également, et ça semble beaucoup mieux marcher. Donc j'attends de voir exactement dans le futur comment ça va se passer pour pouvoir peut-être rejouer sans être forcément câblé, et ça sera déjà pas trop mal. Également, donc on en parle, comment est-ce que tu veux véritablement bien jouer quand tu te tapes ton chat sur les genoux non-stop et qu'il se frotte à tes doigts, à la manette, et qu'il te procure des actions aléatoires avec ce geste? J'ai un chat qui m'aime, j'ai un chat qui m'aime, vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un chat qui t'aime. Moi je l'ai ce chat qui m'aime. Mais Ce n'est pas tout, parce que je crois que je l'ai évoqué, aucun dédicace à toutes les personnes qui s'appellent Patrick et qui regardent cette vidéo, voilà, dédicace à tous les patous. Ce n'est pas tout, il y a aussi mes capacités personnelles quant au jeu qui sont excessivement limitées, parce qu'en fait je n'arrive pas à me projeter dans le jeu. Pour moi il y a vraiment quelque chose qui m'empêche de me projeter dans le jeu, je crois qu'en fait je m'en fous. Ouais, c'est globalement je m'en fous. Alors des fois c'est ça tire à la schizophrénie parce que j'essaye de faire le mieux possible pour vous, pour faire une game qui ressemble à quelque chose, et d'un autre côté ben voilà, exemple sur cette game, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour vous offrir le meilleur spectacle, pour essayer de pas avoir trop honte de moi aussi, enfin ça je m'en fous. Et j'ai dû donc j'ai fait 4-5 games comme ça, j'ai pris la meilleure que j'avais fait. Et j'ai dû attendre une dizaine de minutes pour me changer les idées parce que j'étais vraiment en train de m'énerver. Vous auriez pas un gameplay, un commentaire comme ça. Tellement j'étais vénère, comme je vous le dis. À un moment donné, j'ai balancé une manette à travers chez moi. La truc, elle était en 1000 morceaux. Alors pour me détendre, je suis allé faire des petites recherches sur Attaque des Titans. Alors merci à toutes les personnes qui ont pu me parler de ça. C'est génialissime, c'est vraiment un truc de dingue cette série. Enfin voilà, aucun rapport à vidéo absolument préparée, absolument pas préparée, ce qui génère des idées aléatoires dans ma tête, voilà. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a comme un dialogue entre nous, entre vous et entre moi et entre vous, sauf que vous répondez pas. Donc je parle tout seul. Mais j'ai l'impression de parler à quelqu'un en fait. Genre, je suis sur son répondeur téléphonique. Si je vous appelle un jour, ne laissez absolument pas votre répondeur prendre la parole. Parce que là, c'est fini, je sature votre boîte vocale. C'est absolument faux. Face à un répondeur, je sais pas quoi dire. C'est toujours, je bégaye trois merdes. Et ça sonne un truc du genre. Tu peux me rappeler ? Voilà. Ou alors je raccroche. Après. Et j'envoie un SMS, rappelle-moi quand tu peux. Ouais, voilà, comme vous voyez, les choses sont excessivement différentes lorsqu'on en est face à un commentaire et face à un répondeur téléphonique. J'ai peur que le répondeur me juge, alors que vous, j'ai pas peur que vous me jugiez. Parce que, voilà. Oui, on arrive en fin de vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis, parce que nous sommes plusieurs dans ma tête, donc je peux dire nous.
J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce petit dialogue, sans que vous ayez pris place dans la conversation, vous a plu. On va se retrouver très prochainement pour une vidéo que j'espère plus intéressante que celle-là. Mais voilà, j'ai envie de lancer cette catégorie de vidéos, de relancer cette catégorie de vidéos où on va avoir une discussion un peu plus, vous et moi, alors toujours sur le principe où vous ne discutez pas. Donc je vais avoir une discussion avec vous, je vais vous parler de choses plus ou moins, on va pas dire personnelles parce que non, mais voilà, de choses diverses et variées. Peut-être s'amuser aussi à commenter le gameplay si vous parvenez à nous en envoyer, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, ça sera des vidéos beaucoup plus normales au niveau du commentaire si vous arrivez à en envoyer. Et si c'est moi qui mets un petit gameplay comme ça, ça sera vraiment pour parler de choses à droite, à gauche, de n'importe quoi, du fun. Voilà, au milieu de toutes les vidéos, c'est quand même bien sympa de remettre un petit peu de gameplay, de pouvoir parler ensemble, de mieux se connaître. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous aussi vous vous retrouvez dans certaines choses que j'ai pu dire, notamment les manettes, hein, je le répète, voilà, si vous avez des problèmes de connexion de manette et tout. Et puis on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo, voilà, quelle qu'elle soit. Salut à tous, vous connaissez les mots de la fin, vive l'eau !